Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les 2 semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolon Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis récupération de Dragon Ball sur Fortnite. Alors le premier défi va vous demander de regagner des PV en vous reposant dans une tente. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de venir juste ici au-dessus de Logjam Lotus. Donc c'est à la scierie de Logjam. Et en fait, dans ce bâtiment, il y a un personnage qui va vous vendre une tente. Donc bien entendu, il vous faudra au moins 400 ou 500 lingots d'or. Donc ça tombe bien, j'ai tout pile assez. Donc regardez, vous parlez à Kyle. Et Kyle vous vend une tente pour 400 lingots d'or. Donc je vais l'acheter pour la vidéo. Boum. Donc quand vous avez votre tente, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous infliger 50 points de dégâts pour pouvoir vous soigner. Parce que vous allez devoir vous reposer et regagner des PV grâce à votre tente sur 50 points de PV pour terminer le défi. Donc je vais faire un peu de construction et je vais construire genre 4 rampes, non peut-être 5, 1, 2, 3, 4, 5, pas plus sinon je vais peut-être me suicider, donc il faut que je fasse gaffe. Hop là, ça devrait être bon. Voilà, parfait. Donc quand il vous manque 50 points de vie, ce que vous faites, c'est que vous lancez votre tente quelque part. Voilà, vous la déployez. Ensuite, vous appuyez sur triangle, donc sur le bouton adéquat à votre console pour vous reposer. Donc moi, j'appuie sur triangle et là, vous attendez tout simplement 20 secondes, je crois. Attendez, c'est 5 secondes. 5. Non, vous attendez juste 10 secondes parce que vous récupérez 5 HP par seconde. Donc vous attendez 10 secondes dans la tente et dès que vous aurez récupéré 50 HP en vous reposant dans cette tente, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le deuxième défi va vous demander de vous baigner au cabanon côtier ou à la sono des sables. Alors le cabanon côtier, c'est justement où je me trouve, c'est juste ici. Voilà, à droite du sanctuaire, donc c'est la petite île qui se trouve juste ici. Et la sono des sables, c'est l'emplacement qui se trouve à côté de la cascade de la réalité. Donc juste ici, vous avez une petite plage et ça s'appelle la sono des plages. Donc soit vous vous rendez à gauche ou à droite où je suis exactement. Et ensuite, vous allez dans l'eau pour tout simplement vous baigner à cet emplacement. Donc vous vous mettez vraiment juste ici, hein, vous vous baignez à côté de ce plat, hein, de ce ponton, on va dire. Vous vous mettez juste ici et vous baignez. Dès que vous serez ici à cet emplacement exact, oui, il faudra juste se placer une seule fois ici. Dès que vous serez dans l'eau ici, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de vous réchauffer près d'un feu de camp et regagner des PV. Alors, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des feux de camp de Fortnite saison 3, chapitre 3. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre près d'un feu de camp et de regagner des PV. Vous allez devoir regagner un total de 50 PV. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est bien entendu de jouer en mode construction. Comme ça, vous faites 3-4 rampes et ensuite, vous vous infligez des dégâts automatiquement. Donc là, regardez, j'ai perdu 63 PV. Donc point de vie. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre près du feu de camp, je l'allume. Si je veux que ça me soigne un peu plus vite pour finir le défi un peu plus vite, je le ravive en donnant 32 bois et comme ça, ça me soignera beaucoup plus vite. Donc dès que vous aurez obtenu, enfin dès que vous aurez regagné 50 points de vie grâce à un feu de camp, donc n'importe lequel, bah, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de pêcher à l'île aux fougères, au monument magistral et à l'îlot du butin. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de directement aller au monument principal, donc au monument magistral qui est juste ici. Voilà. Ensuite, vous allez près du quai, enfin près du ponton qui est juste là. Et vous allez choper une canne à pêche. Hop. Ou un harpon, peu importe, vous pêchez les deux, hein. Vous prenez les deux. Donc voilà, vous vous rendez juste ici, à cet emplacement-là, pour prendre une canne à pêche. Ensuite, ça c'est le monument magistral. Ce que vous allez devoir faire, c'est de pêcher à cet emplacement. Donc soit vous pêchez dans un coin de pêche, soit vous pêchez n'importe où dans l'eau. Mais il faudra juste pêcher. Donc je vous conseille quand même de pêcher dans un coin de pêche, parce que c'est possible que le défi ne se valide pas si vous ne pêchez pas dans un coin de pêche. Mais voilà, parce que là, regardez, je viens de pêcher des matériaux, donc c'est possible que ça ne fonctionne pas. Donc cherchez quand même un petit coin de pêche. Regardez, là il y a encore un tonneau pour avoir une canne à pêche. Si jamais vous n'avez pas obtenu votre canne à pêche, il y en a encore un là.
de tonneaux de canne à pêche, où il y a des cannes à pêche. Et il y en a un peu partout, hein, tout autour. Donc là, je vais chercher un coin de pêche. Voilà, là, j'en ai trouvé un. Il y a un coin de pêche juste là-bas. Hop. Je sais pas si je vais rester quand même tout près du coin magistral, enfin du monument magistral, parce que si je m'éloigne de trop, ça ne validera peut-être pas le défi. Donc là, je pêche au coin de pêche. Voilà, j'ai pêché un poisson. Essayez de pêcher un poisson pour être sûr que ça valide le défi. Quand ceci est fait, ce que vous faites, c'est que vous allez tout simplement prendre votre envol avec le monument magistral. Donc hop, vous prenez votre envol. Voilà, comme ceci, vous montez tout en haut. Vous ouvrez votre planeur. Et là, attendez, je vais retourner ici. Et là, ce que vous allez faire, c'est aller dans... C'est l'îlot du butin. Donc l'îlot du butin, c'est juste ici. Donc voilà. Donc là, je vais me diriger jusque là-bas. Je vais peut-être même prendre un bateau en vrai. Je vais remonter la côte. Comme ça, ce sera peut-être plus rapide. Donc bien entendu, vous n'êtes pas obligé de le faire en une seule partie. Vous pouvez le faire en deux parties, trois parties. Donc si vous voulez vous tuer, vous relancez une partie et vous allez directement au îlot du butin pour que ça aille plus rapidement. Mais moi, je vais le faire manuellement. Je vais remonter jusque à l'îlot du butin en bateau. Donc voilà, là j'arrive à l'îlot du butin, ça tombe bien parce que je suis à court de carburant. Boum, je sors du bateau. Après, je peux rester dans le bateau si je veux, hein, et pêcher sur le bateau, c'est pas un souci. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais repêcher dans un coin de pêche. Donc boum, je repêche un poisson. Voilà. Ou une arme, hein, mais je vais quand même pêcher un poisson pour être sûr. Ouais, bon, normalement, même si vous pêchez une arme, normalement, ça devrait le faire. Mais si ça marche pas, pêchez quand même un poisson. Donc voilà, quand vous avez pêché à l'îlot du butin, ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est de pêcher à l'îlot qui s'appelle l'île aux Fougères. Alors l'île aux Fougères, c'est tout simplement juste ici, à côté de Greasy Groove. Donc là, je vais me rendre à cet emplacement pour pêcher et terminer le défi. Donc voilà, maintenant que je suis à l'île aux Fougères, ce que je vais faire, c'est que je vais pêcher. Je vais pêcher un poisson, une arme, peu importe, mais je vais pêcher dans un coin de pêche. Voilà. Et dès que vous aurez pêché aux trois emplacements que je viens de vous montrer dans cette vidéo, bah là vous aurez terminé votre défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de regagner des PV en mangeant du poisson ou alors de la viande pendant ou après un duel. Donc pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des tableaux de duel de Fortnite saison 3, chapitre 3. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre juste ici. Donc, en plein milieu de Loot Lake, enfin, en plein milieu de la map, à côté de Loot Lake, et je vais chercher des cannes à pêche. Donc, regardez, il y a des tonneaux de pêche ici. Donc, je prends un tonneau de pêche. Voilà, je prends la canne à pêche. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais près du tableau de contrat qui est juste à côté. Donc, voilà, c'est pour ça que je suis venu ici. Parce que je sais bien qu'il y a un tableau de contrat. Après, il y a des tableaux de contrat un peu partout. Donc, là, ce que je fais, c'est que j'accepte le défi. Maintenant, je prends ma canne à pêche. Je pêche un poisson. Voilà, parfait. Je sais pas. Je crois que c'est regagner des PV. Ok, des PV. Donc il me faut absolument un poisson qui me donne des PV. Donc là, ça va pas. Hein. Le poisson que j'ai pioché, c'est pas du tout ça. Ça me donne du shield. Donc ça ne va pas non plus. Il me faut un poisson. Après, vous pouvez le faire avec des sangliers. Hein, s'il y a un sanglier à côté de vous qui passe, vous le tuez et vous mangez le sanglier. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc là, regardez, là, j'ai obtenu un poisson qui me donnera de la vie. Donc maintenant, ce que je dois faire, c'est tout simplement obtenir des PV. Mais le problème, c'est que je suis à 100% de PV. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter sur le pont. Je vais sauter du haut du pont et je vais m'infliger automatiquement des dégâts. Et puis après, je mangerai le poisson. Et dès que j'aurai mangé le poisson, ben là, je terminerai le défi. Donc hop, je pense que... Voilà, je pense que je vais encore monter d'un étage. Je pense que si je saute d'ici, ça devrait le faire. On va quand même monter encore d'un étage pour être sûr. Voilà, si je saute d'ici, c'est sûr que je me blesse. Boum. Voilà, ouf, il me reste plus que 3%. Donc là, je mange mon poisson. Je suis en plein duel. Donc là, mon adversaire, il est là-bas. Hop. Donc je suis en plein duel. J'ai mangé mon poisson. Et là, j'aurai terminé le défi. Bien entendu, je fais la vidéo en avance. Donc je termine pas le défi, mais c'est pour vous montrer. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est terminer votre duel. Et dès que vous avez terminé le duel, vous mangez soit du poisson ou soit de la viande pour récupérer des PV. Et là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'utiliser une canne à pêche pour surfer derrière un requin à butin. Alors, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay.
parce que là vous allez trouver une canne à pêche à coup sûr et logiquement il y a toujours des requins qui traînent. Donc regardez, il y a un requin qui est juste là. Après, si vous voulez, je vous affiche une map avec tous les emplacements des requins de Fortnite saison 3 chapitre 3. Mais franchement, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de venir à cet emplacement-ci parce que là vous allez trouver un, deux ou trois tonneaux de pêche. Donc regardez, il y en a un là, un tonneau de pêche qui vous donne des cannes à pêche. Là aussi, il y en a un autre et parfois il y en a même un troisième. Donc voilà, ce que vous allez faire, c'est tout simplement prendre une canne à pêche, hop. Ensuite, vous allez essayer d'aller près du requin et vous allez pêcher le requin, tout simplement. Vous allez lui lancer un hameçon. Voilà, regardez, hop. Je lance un hameçon, il le chope et voilà, maintenant je surfe derrière un requin à butin. Alors, je regarde. Voilà. Vous avez juste à le faire une seule fois. Vous n'avez même pas besoin de parcourir une certaine distance. Vous avez juste à le faire une seule fois. Dès que vous allez surfer derrière le requin à butin, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis récupération de Dragon Ball sur Fortnite. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.